Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 en roleplay sur la map Normandie V2. Donc je suis en compagnie de Baptiste. Salut à toi, salut à tous. Et de Kylian. Salut tout le monde. Donc petite intro, donc assez rapide, donc vous pouvez d'ores et déjà faire un petit don, donc le lien est dans la description, donc n'hésitez pas, mais même si c'est rien n'est obligatoire, hein, donc faites comme vous voulez. Donc ces dons là, ils nous serviront surtout pour du meilleur matériel ou bien des nouveaux jeux aussi qu'on pourrait vous proposer ou bien je sais pas quoi d'autre. Je sais pas si vous voyez d'autres choses. DLC ouais, faire des DLC, voilà. faire gagner des choses. Ou faire gagner des choses, voilà. Donc ça servira mais pour la chaîne, hein. C'est pas pour nous personnellement, quoi. Voilà. Donc du coup vous pouvez également aller liker notre page Facebook, donc le lien est également dans la description. Et puis bah vous pouvez également liker cette vidéo, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon du coup on va arrêter de radoter, parce que même si ça servait à quelque chose, on va commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite, après ceci. C'est parti les amis! Ouais, du coup une nouvelle journée commence aujourd'hui à l'ETA, donc du coup la neige est partie, hein. Ça a bien fondu là, il y a eu du soleil enfin ça fait déjà une petite semaine qu'il y a du soleil, donc du coup ça a permis à toute la neige de fondre, ce qui est plutôt cool. Donc t'as eu des nouvelles de Mathieu ou pas? Parce que il est pas là pour l'instant, il aurait dû, donc je sais pas. Non, je sais pas, j'ai rien eu. T'as rien eu? Bon, je pense qu'il doit être absent. Attends. Je vais regarder mon portable s'il m'a pas laissé un petit message. Donc attends, on va voir ça. Non, c'est bizarre. Bon, du coup, aujourd'hui, il y a rien de prévu pour le moment sur l'agenda. Donc tu peux aller vérifier, je pense, les épandeurs, parce qu'on va pas tarder à aller pendre, même si c'est encore bien mouillé, mais bon, je pense que d'ici 15 jours ce sera parti, donc pour l'instant tu peux aller vérifier ça. Et puis ben moi je vais attendre un coup de téléphone, quoi. Du coup. Ok? Bon, hop, je vais aller prendre mon téléphone. Hop, je vais grimper dedans. Fermer la porte. Hop là. Bon, du coup, je vais voir. Hop là. Ah, ça sonne. Je vais répondre. Oui, allô? Ouais, Clément? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est Baptiste de la ferme. Ouais, j'avais reconnu. Enfin, quand est-ce que tu pourrais venir faire du transport fumier chez moi? Bah là aujourd'hui j'ai rien de prévu donc sur l'agenda, donc c'est vrai que c'est encore une saison, enfin c'est encore un début de saison qui est un peu mort, hein, parce que tout ce qui est épandage, tout ça, c'est pas commencé, donc bah oui, pourquoi pas, hein. Ouais, c'est pas trop gras, non? Non bah après si c'est juste c'est juste quoi, on fait des tonnes, non, t'es chiant quoi. Ouais. Bah ça va, je pense que ça ira, non. C'est toi qui vois, hein, Ok. parce que c'était chiant, donc. Ouais, moi je veux bien, ça me dérange pas Donc aujourd'hui. du coup on prend les rôles speed et c'est parti quoi. Ouais, bon, vous venez à ma ferme et moi je vous chargerai avec Tesco, quoi. Ok, bah là je voyais Kylian en train de vérifier les épandeurs, donc je vais le prévenir et puis c'est parti. Ok. On va à tout à l'heure alors. Ouais. Ouais, Kylian? Ouais. Ouais, là Baptiste nous a appelé là, donc on va aller transporter son fumier jusqu'à ses champs, donc je sais pas lesquels encore. Donc on va aller accrocher les roll speed. Ok. C'est parti. Tu prends ton GD du coup, je pense. Ouais. Hop là. On est parti. Je vais prendre mon fen là, le tout nouveau fen, parce que j'avais vendu le Maxim.
Et puis bah, ça valait le coup, hein, celui-ci 200 chevaux, donc c'est quand même assez puissant. Hop là. On va aller accrocher celle-ci. Je pense pas que j'aurais besoin de masse si, parce que je crois pas que j'en ai pour celui-ci. Clac, on va aller attacher tout ça. Hop. Voilà. Je vais aller élever la béquille. Hop. Voilà. Bon. C'est parti du coup. Hop, c'est parti. Je grimpe là-dedans. Bon, du coup, tu passes devant? Ah, je te laisse. Bah, je sais pas, on va où? Bah, chez Baptiste là pour l'instant, donc tu vois où c'est? Ouais. Je te laisse y aller. Hop là. Gyrophare, n'oublie pas. Manquerait plus qu'il y ait des flics. Petit clignot. Ah, ça fait du bien de retrouver un peu les paysages normaux entre guillemets. T'as aimé la neige toi? Ouais, c'était bien. Je pense que t'en pas par quel chemin tu vas toi? C'est lui. Ouais. Bah, par la route. Ouais, tu t'aurais pu tourner. Ouais, ok, bon, c'est pas. Je vais te suivre. Hein. Parce qu'il y a plusieurs chemins, tu sais. Comme ça, on va pas se faire. On va pas s'embêter. Hop. Bon, c'est vrai que l'agenda n'est pas encore bien. Bien rempli, mais bon. Ça va venir, j'espère. On n'est pas en train de couler non plus. Sa fumière, elle doit être derrière là. Salut. Salut. Ouais, je vous ai sacré un mort, vous. Bah oui. Ah ouais, on fait pas les choses à moitié. Ouais. C'est sûr. Bon, du coup, oh la vache, t'as un sacré tête fumée toi aussi. Hein. il commence à être temps de le vider. Je Ah oui, vois en ça. effet. Vache. Bon, bah du coup, je te laisse nous remplir hein, au télescope, j'imagine. Ouais. Bon, tu vas d'abord, Kylian. Je te laisse y aller. Hop là, moi je vais C'est bon, vous m'avancer. m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ok, j'ai mis la CB. Ouais, c'est bon, là je suis remonté, mon traité. Comment tu viens de mettre? T'aurais pu te reculer plutôt. J'arrive en marche arrière. Ouais, le long des poteaux là. Quel poteau? Ah oui, d'accord. Je vais faire ma manœuvre. Bon là du coup je reprends ma petite GoPro. C'est à mon tour d'être rempli. Hop. Oula. Attention de toucher la benne quand même. Hein. Ça coûte cher hein, des Ouais, Roll Speed en plus elles sont presque neufs. J'ai revendu mes ils ont deux réglé un heures petit aussi. peu. Ouais, moi aussi j'avais une petite, mais grosse. Elle avait fait son temps, quoi. Changer de marque un peu, ça fait du bien. Non, ouais, j'étais pas très satisfait du service après-vente, parce que pour avoir des pièces, tout ça, c'était la merde. Même monter les ridelles là-dessus, c'était casse-couille.
3 jours je mettais à faire ça. Du coup j'ai pris une ralentie à la place. Et puis au plus ça va, ouais, niveau prix ils sont corrects. Ouais ouais, et puis elles sont bien. Moi j'ai pris voilà. De une ronde, enfin la ronde d'Azo, je l'avais déjà à la place de la déjà la 2h TP et puis l'année dernière j'ai pris une 2h une ronde d'Azo. Ouais, ouais. Et j'ai pris deux Roland, donc une Roland pour la location normalement, mais comme les deux étaient dispo, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre les Roland. Pourquoi tu loues du matériel toi aussi? Ouais, des fois un peu. Et tu vends des pièces aussi ou pas? Ça dépend lesquelles. Parce que moi, il faudrait que je change l'ensemble pointe soc sur la charrue. Donc, si j'en ai en stock, je te dis. Faut que je fasse ça avant pour aller charruer au maïs. Quoi. Ouais, préparer tes champs. Quoi. Ouais, préparer les tirs pour semer le maïs. Et puis déjà, ça, la semaine, quand on va y prendre ça du coup? Bon, je sais pas, on peut attendre au moins un mois encore. Mais c'est juste que là, la fumière était pleine, elle était dans de sortir. Quoi. Et du lisier par contre sur l'herbe, faudra que je fasse. Ouais bah là Mathieu il est malade aujourd'hui donc... Ah c'est lui qui a la tonalisée. D'habitude ouais. Mais grosse, c'est quoi, c'est une quoi? Une Bossini. Ah ouais, il y a trois essieux avec le bras de pompage qui va directement dedans. Ouais. Bah, chez moi il pourra pas faire, parce qu'il y a les vaches qui passent à côté, mais il y a un trépied de pompage. Donc... à remplir avec ton... Ah, le godet va très grand. Ouh, attends. Ouais. J'appuie sur les pédales, sans faire exprès. T'inquiète. Bon, j'espère que le Fen arrivera à tirer ça. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas mal, je pense. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Tu peux y aller. T'es loin encore, Kylian, ou quoi? Non, je suis dans le chemin. Je sors du chemin, j'arrive sur la route. Moi je vais essayer de trouver le champ parce que celui-là je suis jamais allé. Ah tu tournes entre le 15 et le 19, tu vois, il y a un chemin là. Je vais voir. Après l'église, c'est à... Je sors de ta ferme, là je vais à droite du coup. Ouais, à droite après l'église. Tu prends comme pour aller à ton ETR et après l'église t'as un chemin à droite. D'accord, bah je vais voir ça. Niveau stock en silage, je pense que t'es pas mal, en fait, tu m'avais dit. C'est large. Ouais. Ouais. Je sais même pas si je pourrais pas passer un peu à Mathieu par avant ou quoi. Ouais, je pense que Mathieu, il est large aussi. Oh oui, mais lui, on met un peu tous les jours, du coup, ça part vite aussi. Oh la vache, ici pour se croiser. Attends. Faut dire que tu roulais pas mal à gauche aussi. Ah ouais, mais je viens de sortir du chemin. Attends, un peu anglais, toi. Hop là. Dans ta tête, moi. Après, plus loin à droite. Là, je suis... Non. Quoi? Mais où t'es parti, là? Bah là, je suis parti, quoi? Je t'ai dit comme pour aller à ton ETA. Bah ouais, mais il y a plusieurs chemins pour aller à mon ETA. Oui, bah, le plus court, quoi. Ok, donc à droite. Oui. Marche arrière. Putain. La neuf dans le bourg. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture. Bon, du coup c'est parti. T'as fait où le tas du coup dans le champ? Ouais. En haut. Que je vis au même endroit. Je prends le chemin à droite, le premier chemin là. Ouais, voilà. Heureusement que j'ai un GPS encore pour voir où t'es, parce que sinon... Et puis après, je continue, quoi. Bah moi aussi, je vais l'activer, d'ailleurs. Et après, tu continues toujours tout droit. Et juste à la fin, avant d'arriver au 3, tu prends à gauche. Tu verras, tout le monde, tout la pente est arrivé en haut, tu devrais voir celui qui vient normalement. Alors attends, du coup... Là je suis près de quel champ que je regarde mon GPS. Oh, tu peux y aller un peu. Ok, attends, il y a un arbre.
Si, putain, il faut élaguer aussi. Hein. Ouais, bon, c'est pas à moi, ça c'est la commune. Ouais, faudrait appeler la commune. Hein. Bah, je pense qu'on fera un remorque, on aura torché quasiment tout le temps. Dans le 3, je mets. Non, pas le 3, le 1 si tu veux. Ok. Là, je dois peut-être tarder à arriver, attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Ouais, là. Non, le 3, il est en face. Et donc, tu montes le 2. Je monte le 2. Ok. Hop. Par là. Hein. Ouh la vache, oui, la pente. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vas juste en haut. J'ai fini à 10, même pas. Je suis à l'arrêt, moi, presque. À un moment, j'avais été semé le couvert, en celui-là, j'avais fini rester dedans. C'est vrai. Et je suis mort, moi. Je te rassure, moi, j'étais à 3 en montant. Non, moi, je suis à 4. Oh, mais ça, c'est John Deere, ça tire pas. Moi, je suis à 5. Hein. Tu vois, lui, c'est pareil avec son fan. Ouais, mais ouais, toi, t'étais à 3. Il fait 200 chevaux, quoi. Mais... Allez, grimpe dedans. Tiens, il fait combien, 250? Ok, je vais plus vite que toi, alors t'es... Ouais, enfin, 1 km/h ou 2. Non, là, je suis descendu à 3, là. Ah, ouais. Mais c'est il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans le champ, là? Si, il faut faire tout le tour par la mairie, tu vas foutre. Parce que là, j'ai traversé... traversé un bout de haie, en bas. C'est pas grave, ça. Un truc de ouf, il grimpe pas le machin. Ah ouais, je vois ton tas, ça y est. Mais c'est bon, j'ai l'impression que ça remplit peu. J'ai mis tous les airs à côté ou quoi? On dirait. Il y a du temps à remplir ça. Putain. Mais percé, ça. Les amis, ici, on... Là, on est... putain, on est un peu les champs ici. C'est la Bretagne, quoi. Ouais, mais bon... c'est un de tes nouveaux champs, celui-là, tu l'avais pas l'année dernière, ça? Non, je viens de le louer au mois de janvier ou février. Je sais pas où je peux... Là, je peux... Mais tu as pas été travaillé depuis la moisson, du coup, est-ce que... Hop, alors... Le truc, là, il bloque, ça m'énerve. Ton tas de fumier, il va peut-être pas rentrer entièrement dans la benne. Bon, je pense aussi. Il mettra peut-être un peu à Clément. Hop. Bon alors, il vide ou quoi? La porte est bloquée derrière? J'allais voir ça encore. Ah bah non, c'est bon, il est parti. Porte est bloquée. Ah non, t'appuies sur le distributeur, ça l'est. Hein. Bah ouais, mais ça voulait pas. Alors, c'est bon. Pouvoir avancer. Hop là. C'est plein ou quoi? Kylian. Quoi? Il y a un peu de place encore. Oui. Un dernier godet, puis c'est bon. Bah donc Clément pour... Ou alors j'irai amener avec ma maître, pareil. Ouais, du coup moi je vais... Où alors? Parce que... Bah aux deux quoi. Bah après tu peux rentrer quoi. Bah. Ouais, c'est fini déjà. Ça nous aura pris la matinée, quoi. Bah oui, et pas pour très longtemps, j'avais pas... Vos bennes sont grandes et bah... Oh, même pas la matinée. Une heure ou deux, quoi. Il est arrivé 11h30, les gens. Non. Putain. Si. Vache. Je t'ai appelé ce matin, il était 8h30 ou 9h. Ouais, le temps que j'arrive, après 10h, et puis le temps de charger tout ça. Hop. Bon voilà, j'aurais galéré à trouver le champ, mais au moins je sais où il est. C'était l'un des seuls champs que je sais pas où il est encore dans la ville, parce que celui-là c'était un agri avant où il travaille pas avec nous. Après il y en a qui travaillent tout seul aussi. Et comme ça fait pas tant que ça de temps qu'on est dans la région non plus. Ça non. Commence à faire, mais... Bon, vraiment quoi. C'est reparti du coup.
dit que j'allais vendre mon Yolande aussi? Bah non. Parce que c'est un peu un 4 cernes, donc il manque de couple et un gros manque de couple. Puis je regrette d'avoir laissé partir mon 1455. Je pense que je vais reprendre je sais pas quelle marque, mais. Ouais. Bon, du coup, moi ça, au moins ça tire, quoi. Je rentre à l'ETA, moi. Je vais faire la paperasse et puis déprimé à ce point. Bah, on verra qu'est-ce qu'on fera, quoi. Moi, j'allais faire un petit tour avec la maître et le Renault devant. J'ai de l'espoir. Ouais. J'imagine. T'avais pas un Renault non plus avant? Si, toujours eu celui-là à la ferme. Le petit, mais il sert que à donner à manger aux vaches, quoi. Mais là, on va faire tirer un peu histoire de le décrasser quand même. Ouais. Je passerai peut-être te voir en. Bah, du coup, tu me dis pour les pièces? Ouais, je vais te dire ça. Ouais. Bah, c'est 8, il m'en faut 8 pointes et 8 socles pour la charge. C'est aucune. Je sais plus quoi. Enfin, c'est tous les mêmes, c'est sûr. Je vais voir ça dans mon atelier là. C'est une 21 pouces, je crois. Ouais, nous il va falloir qu'on révise tous nos charrues aussi. T'as rangé ça à côté, ouais, dans le hangar à côté, ok. Ouais, j'ai un petit stock, ouais, donc je pense que je vais pouvoir te filer ça. Et puis voilà. Et ça fume même en armor, si on le fume. Ouais. Ouais, celui qui était tout au fond est chaud quand même. Je vais fermer mon truc là. Hop. Et puis je vais passer de voir peut-être. Hein. Je vais aller faire un petit tour à pied. Donc à faire, hein, puisque j'ai rien à faire. Puis vu que le champ est pas trop loin, ça me fera un peu mal. Je sais pas auquel je vais aller encore. Peut-être au 15, au 19, je sais pas. Bon allez, sur ce les amis, ça aurait été un petit épisode, hein. Je pensais pas qu'il est aussi court, enfin je sais pas combien de temps, peut-être qu'il a duré 20 minutes hein, ou une demi-heure, hein. Je sais pas du tout. Donc du coup n'hésitez pas à partager, mais vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme je vous l'ai dit au début, donc désolé pour mes petits problèmes de manœuvre et d'orientation sur la map, mais bon, voilà, j'ai pas assez joué encore. Pardonnez-moi, j'ai pas encore assez joué dessus. Mais bon. Donc j'espère que... Même quand tu auras assez joué, ça sera toujours pareil. Du coup, bah voilà. Et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo où j'ai jamais vu du transport de fumée en roleplay. Donc, sur ce, les amis, on vous laisse. Allez, merci à Baptiste. De rien. Merci à Kylian. De rien. Allez, ciao ciao. Savannah, I'm coming home, Savannah.